Ce week-end, la 55e édition du Super Bowl a envoyé du lourd. Dans le stade, seuls les supporters étaient en carton. Les Buccaneers, eux, ont assuré. Côté musique, The Weeknd a fait le show. Sa prestation aux airs de clip a déjà été détournée plus d'une fois. Et entre deux passes, ce qui fait la magie du Super Bowl, c'est aussi ses publicités déjantées. Top 3. Matthew McConaughey, l'acteur d'Interstellar, se balade en 2D pendant tout le spot. Et clairement, sa vie n'est pas facile. Heureusement, Matthew retrouve la forme après avoir dévoré un paquet de Doritos 3D. Du côté d'Amazon, la publicité était plus caliente. Imaginez si Alexa pouvait prendre forme humaine, celle de Michael B. Jordan par exemple. Voix suave, regard perçant, l'acteur américain exécute toutes vos demandes. Et notre coup de cœur est évidemment Timothée Chalamet dans le rôle d'Edgar, le fils d'Edouard aux mains d'argent. La vie semble bien difficile avec des ciseaux en guise de main. Alors pour redonner le sourire à son fils, Kim lui offre la dernière Cadillac qui se conduit sans les mains. Et comme chaque année, Hollywood profite du Super Bowl pour diffuser des bandes-annonces croustillantes. Côté Disney, c'est Raya et le dernier dragon qui se dévoilent un peu plus. À voir le 3 mars au cinéma ou peut-être sur Disney+. Je m'appelle Raya. Notre pays est en guerre depuis toujours. Notre peuple ne parvient pas à s'entendre. Et le 3 mars marquera également la sortie de Moxie sur Netflix. L'histoire d'une adolescente de 16 ans qui entame une révolution féministe dans son lycée du Texas. Si vous faites rien, alors vous participez au problème. L'élève est en train de filmer, donc je vais... Pardon, j'ai une envie extrêmement pressante. Chez Marvel, Falcon et le Soldat de l'Hiver s'offrent un dernier trailer avant la sortie du premier épisode, le 19 mars prochain, sur Disney+. Tu t'es fait éclater par une collégienne. Et cette année, pas d'homme nu qui court sur le terrain, c'était pire.